Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Content de te voir. Merci. Un instant, je prends voir. D'accord. Ça va? Ça va. Mais prends place. Oh. Il va en même temps. Voilà, bon, moi, comme je te disais, hein, en ce qui me concerne, je suis en stand-by. J'ai eu une grosse déchirure musculaire et mon club, le Real de Madrid, ils m'ont donné 7 mois de vacances. Donc là, je suis au pays, je suis en vacances. C'est ça, quoi. Comme ça, tu joues au Real de Madrid? Oui, oui, oui. Par exemple, les blessures. Mais... c'est la carrière d'un footballeur, hein, c'est comme ça, c'est le métier. Ok, déjà, tu connais mon prénom, non? Ouais, tu m'as dit sur Instagram. Voilà, j'ai 18 ans. Et c'est mon père qui est le DG de Canal Plus ici au pays. Waouh! Il a même fait 3 mois de stage en entreprise. Super ça. Donc en fait, je me suis juste rendu compte que j'aime beaucoup le tennis. Et mon père m'a inscrit dans un club en Allemagne. Donc le mois prochain, je dois partir pour les entraînements. Oh, tu vas en Allemagne? Oui. Tu me laisses? Il n'y a pas de choix. Ça va. Ça peine comme ça. Moi, je suis fragile. Moi, je suis fragile. Oh. Chouchou! Il y a quoi? Mon anniversaire, c'est demain. Oh, comment ça? Comment ça, comment? Ton anniversaire, c'était avant-hier, non? J'ai vu tes statuts. Mais c'est une erreur. Quelle erreur? Tu as publié les statuts avant-hier, joyeux anniversaire, tout ça. Là. Tu as fêté? Non, non, non. J'ai programmé mon statut pour demain. Hein? Donc, normalement, quand mon téléphone dira, ça a déclenché ça avant-hier. Normalement, là, mon anniversaire, c'est demain. Hein? Et après, quand tu vois que mon téléphone, à chaque fois que je vais faire depuis là, je ne fais que forcer là. C'est parce que mon écran dira, je n'ai pas pu supprimer le statut. Ok. Oh. Mais bizarrement, il y a la pluie dehors avec le vent et tout, et tout là. Mais il y a toujours le signal. Ah, tout le quartier est bien. Oh, toi aussi. Rien à voir avec le quartier. Ça, c'est le nouveau décodeur connecté du Canal Plus. Tu vois, regarde. Je manipule tout tes fluides. Ça, c'est vraiment le niveau élevé. C'est à la fois connecté à Internet, à satellite, tu vois. Regarde toutes les fonctionnalités. C'est vraiment là, c'est l'innovation. Le décodeur connecté que tu entends partout, c'est ça. Rien à voir avec le quartier, c'est tranquille. Canal Plus, c'est chic. Mais dis, on fait comment pour avoir ça? Oh, c'est pas toi que ton père est DG là-bas à Canal Plus, que tu as même fait les stages, tu me poses encore les questions. Quel DG? On peut plus jamais vous faire le poisson d'avril ici là. Poisson d'avril, nous sommes en avril. Tu reconnais que tu as menti. Depuis là, je t'ai sans peine. Tu mens, petit truc, tu mens. Ah, donc tu sais voir le mensonge. Parce que toi-même, tu dis la vérité. Comme toi-même, tu te vois, tu es comme le moustique là, tu peux jouer au Real. Tu peux jouer au ballon. Moi, j'avoue que je ne suis pas un joueur du Real. Je t'ai seulement dit ça comme ça. Ah, donc toi, tu me dis, moi, je ne te dis pas. Tu penses que je suis bête. Comme tu réfléchis, moi, je réfléchis. Toi, tu es une menteuse. Toi, tu es une menteuse. Parce que là, je t'ai attrapé que moi, tu viens maintenant sur moi. Parce que moi, je t'ai attrapé, je savais que tu mentais. Canal depuis que je suis assise, je Canal Plus. Toi, tu es la fille du DG de Canal Plus. Toi-même, tu joues au Real. Je crois que tu sors, menteuse. Toi, tu es même là, tu ne connais même pas seulement la rue qui sort ici là pour partir. Sors de chez moi, prends les fers. Je pars, je pars. Qu'est-ce qui m'a même amené ici là? La fille du DG. Toi-même, vous jouez le ballon. Regarde quoi, comme tu es là. Tu ne mens même pas dans un restaurant. Tu prends le citron. Même pas dans l'hôtel. Chez moi, la maison, tu veux le manger. Là, on a pris un bœuf. Va, la fille du DG. Tu ne connais même pas comment faire pour avoir le décodeur connecté. Et puis quoi, ça me donne beaucoup d'argent. Ouais, c'est très bien. Va, la fille du DG. Ça, c'est quel mensonge? Les autres mentent dans les hôtels, dans les restaurants, même dans l'avion, tu peux mentir, mais pas chez quelqu'un, chez lui. Oh, ça, c'est les malédictions, ça. Mon père est DG, je joue au tennis, sur le handball ou quoi. Jusqu'à tu me dis. Parce qu'elle est partie, elle a fait un crime. Oh, jusqu'à elle parle de l'Allemagne. Toi, tu en as parlé de l'Allemagne. Oh! Moi, si un menteur, je reconnais, mais je sais comment on fait pour avoir le décodeur connecté. Moi, je sais au moins. Je sais comment on fait pour avoir ça. Il suffit d'avoir 20 000 francs, tu vas dans n'importe quel point de vente, tu t'abonnes à la formule évasion plus, tu as ça. On parlait d'un menteur qui a un décodeur connecté, c'est un menteur qu'on respecte.